Senhor, que me livre de dias que vem, vem. De dias que domingo chega na chão. Deixa eu levar. De dias que vem, vem. Mas tem as cabeças que eu reconheço.
Donc vous vous êtes Seigneur, vous êtes ça souffri et dans mauvaise condition et pour ça que Seigneur a agi mal l'évangile. Alors avec le Seigneur vous faites une nécessité de vous tourner au milieu de vous-même afin que Seigneur vous-même soit capable d'épargner ou bien délivrer la situation que vous avez. Je ne vais pas nous remettre dans mon bonne direction. C'est vite qui vient pour porter le message matin. Seigneur avec le Seigneur. Pas quitter pas les éloignés même et nous-mêmes tout cap coûter. Nous demandons au Seigneur capable de nous bonne émission. On va permettre aussi Seigneur nous capable de recevoir ça que nous allons joindre pour nous-mêmes là-dedans. On va nous mettre dans la même. Au plan qui va ramasser, nous demandons au Seigneur capable de bénir pour nous. Si ça ne va pas gagner, on va aller bénir une prochaine fois, on va porter nos champs pour le bail, pour les vous capables de aller là-bas. Mais ce n'est pas nous mettre dans la même, on connaît tout projet qui gagne. Tout ça qui vient vous faire dans les bras, nous demandons au Seigneur pour nous manger. Les frères et sœurs qui souffrent encore aussi que nous vivons, c'est là qu'ils vont dire nous-mêmes. On va citer nos chats. Et nous songeons, nous sommes nous capables avec qui la côté. Et chaque salle au Seigneur est isolé. Comment nous, Seigneur, faire sentir présent sur vos côtés. Lève-la dans mon Seigneur, pas direction pour nous. Nous ne pas faire tout bagaille, nous ne pouvons pas faire. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Dans le pays côté de la Bible, là, où ça, si ça va passer là-dedans, si ça va faire, on connaît tout. Sauvez-nous pour mettre la paix. Sauvez-nous pour prendre le contrôle, pour diriger le monde, pour faire ça qui vient. Sou mè ka fè sa bagan lò nan kò. Sou mè tout nan mè ou. Fè sou mè ka fè tout bagay nan pi yo. Non pa bon, non pa di. Mè se nan nan Jésus ki ti tout. Ki vi et ki vè. Ou siel ki de siel. Amen. Sanctuaire pour nous adorer le Seigneur ensemble, faire monter vers lui nos hymnes de louange et d'action de grâce, et en même temps pour le renouveler force nous, de telle sorte que nous capables de mener la vie de combat que nous gagnons à mener ici-bas sur cette terre jusqu'au jour où Jésus-Christ va retourner et reprendre nous avec lui. Nous remercions le Seigneur de ce que ce matin encore, nous vivons le troisième dimanche du mois de février. Et Dieu merci, nous sommes bien vivants. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. L'après-midi matin, est-ce que nous avons un visiteur au milieu de nous? Est-ce que un monde, c'est pour la première fois que vous entrez dans le temple si là, pour adorer le Seigneur avec toi si ou là, pour la première fois, s'il vous plaît, mettez-vous debout. Bon. Merci, notre bien-aimé sœur. Merci de ce que le Seigneur a tiré par le Saint-Esprit pour que vous puissiez venir par vous ici matin, participer ensemble avec nous. C'est un grand jour pour nous, c'est un grand jour pour vous. Et nous espérons que le Seigneur apporte de nombreuses occasions pour participer avec nous par vous ici à toutes les fois que vous va vivre ici dans Saint-Esprit. Et nous demandons que nous approchions capable de cadre, de remplir pour nous. Et après le service, si vous n'êtes pas trop pressé, nous allons rencontrer
et faire un petit parler avec pour connaître l'intention réellement. Merci pour votre présence. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Et comme à l'ordinaire, mes frères et mes soeurs bien-aimés, nous connaissons que chaque lundi, mercredi, vendredi soir, nous avons toujours gagné un service dans le temple Pabo ici. Et particulièrement, mercredi, c'est le temps que nous mettons à part pour étudier la parole de Dieu et poser des questions pour nous comprendre sa bon Dieu voulait instruire nous à travers la parole. Nous avons étudié il y a bien des mois la lettre que l'apôtre Paul adressait aux chrétiens de Philippe. En effet, nous reconnaissons que il y a deux services qui ne sont pas tellement fréquentés, et école du dimanche, puisque c'est instruction, et études bibliques, puisque c'est encore instruction, nous avons simplement besoin d'un message d'encouragement les dimanches matin. On est pour nous combattre la vie. Mais connaître la parole de Dieu, c'est autre chose. Et laissez-nous dire, nous, si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, nous ne faisons pas le faux pas dans la vie. Parce que instruction pour nous connaître comment pour nous marcher. Même genre que chaque appareil, chaque blanc fait, il y a un livre d'instruction et le respecter l'instruction, appareil a fonctionné bien. Et si nous voyons que le monde a fonctionné mal, c'est parce que nous mettons la Bible à côté. Donc, on t'a souhaité que nous venions. Et nous prenons voir que la vie nous a changé. Si c'est vrai que nous voulons marcher selon la parole de Dieu. Parce que moi, je connais, tout le monde a besoin d'un message d'encouragement. Surtout un message de délivrance. Parce que tellement de problèmes de nos jours, ici aux États-Unis. Le Seigneur est capable de délivrer nous. Mais il faut être en volonté, mon Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement. C'est alors que tu auras du succès dans cette entreprise. C'est alors que tu réussiras. Donc, n'a plus rien que nous va réussir, mais nous manquer. Nous pas voulu étudier la parole de Dieu. Je souhaitais que mercredi, si nous pas engager notre travail, font effort. Nous connaissons Satan pas voulu ça, mercredi. Mais si vous-même vous avez volonté en tant que serviteur et servante de Dieu, pas avec la caille là, si ce n'est pas notre travail. Donc, nous attendons et nous espérons que le Seigneur va encourager nous en ce sens. Jeudi matin, nous allons gagner jeûne et prière. Samedi prochain, il y aura répétition pour la grande chorale de l'église. Et samedi à 1h30, sur la demande du président du conseil d'administration, il y aura réunion pour tous les membres du conseil d'administration de l'église évangélique Baptiste Éloyé. Et dimanche, à 10h, nous allons gagner école du dimanche, encore instruction. Et puis à 11h, nous allons gagner le service d'adoration et de louanges à Dieu. Nous espérons que ces annonces ont été entendues et nous allons faire tout effort pour marcher et conformément à la requête que le Seigneur formulait à l'endroit de chacun et de chacune. Le dimanche 26, ce sera le dimanche prochain. Le dimanche prochain au soir, nous avons une invitation qui nous a été adressée par le pasteur Saint-Fort, Église Nouvelle Naissance. Et à cet effet, elle est notée dit dernièrement si la chorale d'hommes est capable d'aller ensemble avec nous, participer ensemble avec nous. On t'a souhaité ça. Donc, on espérait que les membres de cette chorale sont capables d'accorder avec Maestro de telle sorte que dimanche, Dieu voulant, 26 au soir, nous capables avec l'Église Nouvelle Naissance. Le lundi 13 mars, l'Église de la Parousie, l'Église que dirige le pasteur Talzon, invite l'Église évangélique Baptiste Éloyé pour nous participer avec eux à une semaine de réveil. Et le jour qui a été retenu pour nous-mêmes, c'est lundi 13. Donc j'aurai apporté la parole en cette occasion et l'Église Éloyé a bien la direction du service. Donc la totalité du service est à la charge de l'Église évangélique Baptiste Éloyé. Et pour vous autres, du 19 au 26 mars prochain, nous allons gagner un réveil spécial à l'occasion du 22e anniversaire
de l'église évangélique baptiste Siloyer. Nous, ouais, nous avons l'âge. Donc, nous avons besoin vraiment pour que nous mettions ensemble pour aller de l'avant. Parce que c'est l'âge de la raison. Donc, j'espère que l'église, nous mettons ensemble du 19 au 26 mars, de telle sorte que nous sommes capables de fêter grandiosement l'anniversaire de l'église évangélique baptiste Siloyer. Et à cet effet, nous espérons que tous les membres de l'église, songez que nous gagnons des charges financières que nous devons acquitter nous, et dans ça, nous connaissons, espérons que nous allons songer que bon Dieu vient par la donne, puisque bon Dieu investit dans nous. Est-ce que nous comprenons? Amen. Bon, on va dire ça. Amen. Bon Dieu investit dans nous. Liban nous santé. Et il permet que nous venions dans un pays qui récompense nous dans l'époque ça. Et à partir de ce moment, l'on songe que c'est bon Dieu qui fait tout ça. Travail bon Dieu pas qu'à souffrir. Donc financièrement, vous avez pour devoir de soutenir votre église. Donc, comme nous avons dit, nous espérons que tout le monde, sans que vous ne pas forcer, parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Si on ne va pas aller avec joie, pas vous devez le Seigneur. Venez faire de bon cœur et le Seigneur va prendre note de sa offert. Ce sera l'anniversaire de l'église. Et anniversaire madame, anniversaire Marie, anniversaire des enfants, vous donnez beaucoup. Donc, si c'est l'anniversaire de votre église, donc, nous espérons que nous sommes capables de faire de grandes choses. Et mes frères et mes sœurs bien-aimés, et nous voulons annoncer également aux enfants de l'Église. This is for the kids. The kids will have a Bible Jeopardy Sunday on February 26th. February 26th at 6 p.m. This is for the kids. Bon, les autres kids là, vous en aimez peut-être jusqu'à 50 ans, n'est-ce pas? Yeah. Donc, parce que Amen. Vous êtes encore enfant de vos parents. Amen. Donc, nous espérons que Silaï qui est là va accompagner les enfants pour qu'ils soient capables de bien partir ça. Also, the kid will have your soul after the service this morning. The kid, you must stay after the service just for your soul. Et maintenant, continuez à encourager nous pour nous prier. Cela est nécessaire. Cela est juste et bon pour vous-même. Continuez à prier. Parfois, la vie qu'on a sous cabane du Seigneur contre tout bagaille. Mais par les temps qui courent, nous avons besoin de prier. Amen. Et la prière crase toute barrière. Yes. On n'aime pas gagner un rien qu'à camper devant puissance bon Dieu. Moi, quoi ça? Donc, nous avons besoin de prier, nous avons besoin de prier pour Haïti, parce que c'est pays pas nous. Nous avons besoin de prier pour les États-Unis, parce que c'est là qui héberge nous pour le moment. Nous avons besoin de prier pour l'Église, côté qui a nourri nous spirituellement. Nous avons besoin de prier pour famille nous, pour marcher dans la droiture, Jean bon Dieu, mandé. Mais nous avons besoin de prier pour tête pas nous tout, parce que, qu'on voulait ou pas, bonjour. On va rencontrer Jésus face à face. Et la poser question. Donc, priez pour vous-même. Jésus revient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Bon dimanche. Et tandis que les frères, notre bien-aimé frère et les sœurs vont passer les plateaux pour recueillir les offrandes de l'Assemblée. Et les musiciens pourront jouer des morceaux de leur choix. Et nous espérons que si la trompette Machine, frère Wilkins, demandez pour la gloire.
Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous allons chanter les paroles du cantique au numéro 43. Great is thy faithfulness. Grande en fidélité. Ô Dieu mon Père, chez toi, nulle trace de changement. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Tu restes fidèle éternellement. 43, section française, mélodie joyeuse. L'été et l'hiver, les saisons fertiles, les astres brillants que tu as créés se joignent avec la nature entière pour témoigner à ta fidélité. Pardon du péché, paix douce et profonde, ta sainte présence pour me guider, force aujourd'hui, pour demain, espérance me rassure de ta fidélité.